Voilà, donc, alors, je suis à Montréal depuis 14 ans. On peut dire que les cours sont assez rodés. Dans les années 70, j'ai donné ça surtout sur le mouvement paysan. Ça correspondait aussi à l'effervescence des luttes paysannes dans le tiers-monde. Et même ici au Québec, à la grande lutte des cultivateurs au sein scolastique contre l'expropriation pour Mirabel. C'est un de nos étudiants, André Bouvette, qui a été d'ailleurs l'animateur extérieur d'une de ces luttes à sein scolastique et de la grande lutte des cultivateurs. Avec la fin des années 70, les luttes paysannes s'amortissent un peu partout dans le monde, en Amérique latine entre autres. La lutte pour la terre perd son importance. Mais par contre, ce qu'on voit ressurgir, alors tout le monde avait prédit le contraire, ce sont les luttes autochtones. Alors moi, je m'intéresse de plus en plus à l'identité autochtone, autant celle de chez nous que celle de là-bas, parce que les luttes autochtones se manifestent aussi ici. Elles étaient présentes depuis un bout de temps, mais dans les années 80, on les voit s'accentuer. Déjà avec la reprise de la lutte sur la baie James, deuxième moitié des années 70, les Athapascans ou les Dénés qui luttent aussi contre le projet Foot Hills. Donc les luttes autochtones se développent partout dans le monde, sur le plan international, sur les plans régionaux aussi. Et donc je m'intéresse de plus en plus à cette problématique et je retourne dans la montagne, profitant de ma sabbatique, donc de mon congé de 6 mois là, de la famille. Et j'arrive à la Tosepantitatanske. J'avais quelques contacts, mais avec des autochtones, c'était des contacts de salutation, de mobilité sans plus. Et je leur dis, écoutez, voici, je demande une audience à la direction de la coopérative. Écoutez, moi, je m'intéresse au mouvement autochtone. Je m'intéresse à la Tosepantitatanske. Tosepan, tous ensemble. Titatanske, nous vaincrons. Le nom lui-même est déjà tout un programme. Je m'intéresse à la Tosepantitatanske. Je suis intéressé à faire l'histoire de la coopérative. Et les autochtones, désormais enhardis par le mouvement paysan, ont abandonné leur timidité ancestrale, dans genre, je sais pas trop. Ils disent, c'est Dieu, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on a perdu déjà une demi-journée, une fois, avec des profs de Puebla sur l'histoire de la coopérative. Il n'y en a rien sorti. Alors, malheureusement, on n'a pas de temps à perdre, mon vieux, on a beaucoup de choses à faire. Alors, on te souhaite bonne chance avec tes recherches. Point 2. Et je me retrouve dans la rue. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis venu ici pour étudier le mouvement autochtone. Et si la coop ne veut pas collaborer, je ne veux pas faire une recherche clandestine. Moi, je veux travailler avec eux. Je veux qu'ils sachent ce que je fais. Il n'est pas question de camoufler les micros, des trucs comme ça. Bon. Et ils disent, ça ne les intéresse pas, ma recherche. Le soir, à l'auberge, je mange ma soupe piquante avec mes tortillas. Et l'agronome vient s'asseoir devant moi. Mon ami, depuis cette époque-là, Alvaro. Je l'avais connu avant, quand je suis à la fin des années 70. Alvaro qui me dit, goguenard, alors, comment ça a été ton entrevue avec la direction? Ben, je dis plutôt mal, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Alors oui, c'est un fait, les profs leur ont fait perdre leur temps, hein, ils étaient furieux. Mais tu sais, il y a des choses qui intéressent la coopérative. Entre autres, des cultures alternatives au café. Tu sais que maintenant, on est dans le café, ça paye. Mais on sait que ça ne payera pas toujours. Et ils s'intéressent à ça. Pourquoi tu ne leur proposes pas quelque chose dans ce genre-là? J'ai vu que, d'après cette feuille que tu m'as donnée, que tu t'as fait de l'anthropologie économique. Oui, ben alors. D'ailleurs, lui, tu avais lu mon texte à Chapingo. Alors, donc, propose-leur une étude économique sur les débouchés pour les autres cultures de la région. Ça te tente? Si ça me tente. Alors, je me mets là-dessus. La nuit, l'avant-midi, j'arrive à la coop. J'ai un autre projet de recherche. Je peux vous prendre 5 minutes? Oui, dit la directive. Ils me mettent entre le point 2 et le point 3. Voilà mon projet. Les cultures alternatives, ici, cultivos, depuis les manguiers jusqu'aux 4 épices, jusqu'aux cacahuètes. Il y en a qui disent, bon, t'as causé avec l'ingénieur, pas vrai, jouer, bien sûr, ils éclatent de rire. Ben, ça nous intéresse. Tu vas faire ça sérieusement, d'accord. Écoute, on va se voir après, on te donnera une liste de gens qui sont dans tous les villages où tu pourras aller. Et bien sûr, je savais bien que fallait que je parle à d'autres aussi. Tu me donner des listes de gens de la coopérative. Et c'est comme ça que je me mets à parcourir la montagne. À assister aux assemblées de la coopérative locale, à voir tout à coup, c'est exactement ce que je voulais, voir tout à coup ce mouvement autochtone qui prenait pied, qui s'organisait, et voir en même temps tout les pas très rapides qui se faisaient. Parce que quand même, moi, j'allais étudier les cultures alternatives et en parler dans les assemblées locales. Mais en même temps, j'écoutais ce qu'ils racontaient. Et là, je voyais tout à coup qu'à un moment donné, la coopérative centrale était allée, la régionale était allée, elle avait dit, écoute, il y a une fraude ici, tu sais que c'est une fraude de 8000 pesos. Pas beaucoup, 80 $ à l'époque. On propose de la rembourser pendant 8 mois à 10 $ par mois, ça te va?
Et devant toute l'Assemblée, le gars disait, oui, ça me va, je rembourse à 10 dollars par mois. Donc, qu'on discutait des problèmes comme ça. Et comment, tout à coup, je vois une assemblée, un groupe de femmes, on disait aux femmes, venez aussi aux assemblées. Mais les femmes, là-bas, traditionnellement, ne se réunissaient jamais avec les hommes. Quand elles faisaient les processions sur leur groupe à côté, et les hommes sont de part et tout ça. Et là, les femmes, et là, tout à coup, il y a un groupe de femmes qui est en veuve, aux femmes dont les maris étaient partis, étaient ensemble. Elles se tenaient dans un coin, tous ensemble, pour pas faire... Et il y en a une qui se lève et dit, on doit choisir un nouveau secrétaire. Je propose que ce soit Théophilo. Et Théophilo qui se lève épouvanté, le jeune homme. Écoutez, moi, je peux pas, je sais à peine lire et écrire. Et le gars de la coupure, le gars dit, mais tu sais que nous tous, c'est à peine si on sait lire et écrire ici. Et Théophilo qui dit, mais je peux pas, faut que je travaille avec mon père au champ. Mais ils étaient tous en travail au champ, ici, et on travaille en plus. Et Théophilo, qui de guerre là, doit dire, bon, d'accord, mais ça va être seulement des griffonnages. Hein. Il dit, on t'aidera. Et ensuite, je découvre que les femmes sont non seulement présentes aux assemblées comme ça pour proposer leurs candidats, mais je les vois dans les boutiques de la coopérative, les hommes. Au début, c'était seulement des hommes. Et je demande à un copain, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est tout des femmes maintenant dans les boutiques de la coopérative qui reçoivent le café, qui vendent le maïs? Alors, avec l'humour, les Nawa de répondre aux choses sérieuses, aux questions sérieuses, en blague, toujours. Plus elles sont sérieuses, plus on fait une blague. Ben, ils disent, écoute, Pierre, je sais pas. Peut-être parce que, au lieu de saouler la gueule, elles ouvrent la boutique à l'heure. Peut-être parce que les comptes balancent à la fin du mois. Et peut-être que, plutôt que de passer la journée à cruiser avec les clients, elles font leur travail. Autrement dit, les formes qu'on pourrait appeler, que les féministes appelleraient d'oppression de la femme, qui, les formes qui pèsent sur leur comportement, elles ne peuvent pas. Un gars peut compter les fleurettes à une femme, mais une femme, normalement, n'oserait jamais faire ça. Et puis les femmes ne boivent pas, contrairement aux hommes qui boivent. Et puis les femmes se lèvent le matin tôt et font toutes les choses dans leur horaire. Donc les femmes avaient développé des qualités qui les rendaient beaucoup plus aptes à être commis. On va dire, oui, mais des rôles subalternes, me disaient mes étudiantes. Oui, mais de là, elles sont passées au conseil d'administration. Et au début, c'était des blagues quand la coopérative largement masculine disait, bon, maintenant, on va écouter la coopérative des femmes, la coopérative des jeunes filles, Las Muchas, qui va raconter son histoire. Et au bout d'un certain temps, on disait, bon, attends, la camarade ou l'allié va venir nous faire son bilan. Donc, c'était des choses sérieuses. On disait, la coopérative des femmes, ses affaires progressaient beaucoup plus vite. Pourquoi? Ben, l'allié me dit, parce que nous, on vend des choses que les femmes veulent acheter. On vend du fil, on vend des trucs. Au lieu que les femmes aillent sous l'averse une demi-heure à Quetzalan, elles ont tout ça ici au magasin. Les hommes n'ont jamais pensé à vendre ça dans leur boutique. Donc, alors, tranquillement, il n'y a jamais eu de programme pour l'avancement des femmes dans Sierra. Mais les femmes ont fait leur propre avancement, un peu selon le modèle de l'autochtone et de la guitare. Il y a un espace qui était là présent, elles l'ont pris, puis elles l'ont occupé. Entièrement. Il y avait encore des sérieuses limites à l'implication des femmes. Je me souviens d'une fois, une femme, qui, dans toute cette année, là, moi, je suis retourné lors de ma sabbatique de 90 aussi. Donc, pour moi, c'était pour moi le début de la période, on pourrait dire, d'ethnographie intensive. D'abord, je me suis mis à la langue, comme telle. Outre les formules de courtoisie, je me suis mis à apprendre la langue. Et j'ai dit, pour ça, il faut que je mange deux fois par jour dans une famille autochtone. Et je suis tombé dans une famille extraordinaire. Un homme, sa femme, sa fille, sa sœur et sa mère. Donc, j'avais un seul homme de la maison, mais des femmes de toutes les générations. Et là, causant avec lui, et lui, il était un coopérateur, très fier de sa culture, en disant, oui, notre petit livre, donc on peut écrire le nahuatl. C'est pas un dialecte qu'on parle, contrairement à ce que racontent les métis. Donc nous, on peut écrire notre langue. Donc c'est sur l'idioma, c'est une langue. Bon. Donc très fier de sa langue et de sa culture, et qui en même temps aimait bien me familiariser, moi, avec les parents. Il savait que je commettrais des gaffes tout le temps. Il était mon mentor lors des fêtes autochtones où on me nommait parrain tout à coup, et je ne savais vraiment pas quand est-ce qu'il fallait serrer la main, quand est-ce qu'il fallait encenser, quand est-ce qu'il fallait mettre la main sur la tête du filleul, etc. Et, prenez la main à la pierre. Alors, okay, donc, c'était mon mentor. Il travaillait maçon à temps partiel, cultivateur à temps partiel, beaucoup de temps libre. Et il aimait beaucoup causer. Donc, c'est le genre de personne qu'on adore, les anthropologues. Alors, je mangeais chez lui. Et en même temps, notre heure de repas était une heure pour moi d'apprentissage linguistique, culturel. Et c'est un endroit où je pouvais faire des gaffes sans trop de conséquences. J'aime beaucoup les canifs, je suis toujours un canif en poche. J'étais scout dans le temps. Et cette année-là, j'avais un beau petit couteau suisse à utilité. Et ma cuisinière, sa sœur, dit « Hey, Nicolita, montez pas, Pierre, j'aime beaucoup ton couteau. » Je dis « Alors, je veux dire en nahuatl. » Bien sûr, je lui réponds « Quand je m'en irai, je te le laisse. » Et je dis, ne iquak ni mewa,
ni mon kawas. Tout le monde éclate de rire, sauf l'intéressé qui prend un air sérieux et regarde ailleurs. Pablo, il dit, tu veux sans doute dire ni mon calisti was te was. Parce que ce que tu viens de dire à ma sœur, c'est que quand je m'en vais, je t'abandonne. Donc, mais là, je pouvais faire des gaffes sans trop de circonstances. Et en même temps, on m'apprenait des tas de choses comme ça. Une femme me dit, cet homme-là qui vient de mourir, là, il est très mauvais. Il battait sa femme à jeun. J'ai dit, ah bon, explique-moi. Il battait sa femme sans raison, à jeun. Mais je dis, explique-moi qu'elle a. Elle dit, oui, il y a des gens. Parce que pour battre sa femme, il faut avoir des raisons. Alors, tranquillement, c'est quoi les raisons? Et je finis, après plusieurs conversations et plusieurs savoir que les raisons pour battre sa femme, c'est ou bien elle gaspille le maïs, ou bien elle est paresseuse, elle ne t'apporte pas la nourriture au champ à l'heure où tu fais la pause, ou alors il y a des soupçons d'infidélité. Mais alors, des soupçons! Tout ça, c'est suffisant. En dehors de ça, on n'est pas censé battre sa femme. Mais pour aller tout de suite au terme du processus, j'ai vu un juge autochtone, j'ai entendu un juge autochtone dire à un couple où la femme était venue se plaindre que son mari la battait, au tribunal autochtone qu'ils ont maintenant, le juge dit, un homme ne doit jamais battre sa femme. Il me dit, oui, mais je l'ai surprise en train de parler avec un autre homme. Et le juge lui a dit, si tu trouves que ta femme se comporte mal, viens nous le dire, on va lui donner le bon conseil. Alors, à partir de moment où l'homme, si, pour quelques soupçons qu'il y avait, se saoulait un peu la gueule, juste un peu, pour se désinhiber et lui foutre une raclée à la maison, mais maintenant, c'est plus possible. Les femmes, la femme le traîne au tribunal autochtone. Et le juge lui donne tort, en lui rappelant à elle qu'elle doit préparer les repas à l'heure, par exemple. Donc, maintenant, il y a des problèmes. J'ai assisté à une transformation. Tout à coup, les parents, bien sûr, la génération des parents avait 8-10 enfants. Ils avaient perdu 3, 4, 5 là-dessus. J'ai vu quelqu'un qui a dit, je suis le seul survivant de 8 frères. Tous mes 7 frères et sœurs sont morts. Tout à coup, je remarque que les jeunes ont 2-3 enfants et pourtant, ils ont 25, 26 ans et se sont mariés à 18 ans. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez plus autant d'enfants. En général, ils se contentaient d'éclater de rire. Jusqu'à un homme me disent, écoute, vamos a necesidad. Nous avons besoin, mon vieux. Et là, je m'ai détaillé. Les enfants, vu qu'ils s'étudient maintenant, on ne peut pas avoir 10 ans. Le père, il nous mettait au champ à travailler à 12 ans, il nous amenait avec lui. Maintenant, à 12 ans, ton garçon, il ne m'a pas fini l'école primaire. Et on veut qu'il fasse le secondaire. Ta fille aussi, elle ne va plus travailler à faire les tortillas à la maison, elle est à l'école. Donc, on va besoin. Et tranquillement, tu vois, même si le gouvernement mexicain était très prudent sur les techniques de planification des naissances, parce qu'il ne faut pas avoir l'Église qui est son allié traditionnel, pour ne pas l'avoir contre lui, quand même, les jeunes autochtones parlaient à des femmes catholiques. Je me souviens d'une des femmes catholiques qui me dit, moi, une femme autochtone s'approche, écoute-toi, on voit bien que tu aimes ton mari, ça fait 10 ans que tu es avec lui, tu as seulement 2 enfants. Comment tu t'y prends? Ben là, je veux te dire, il y a des méthodes que l'Église approuve, il y en a d'autres, etc. Et donc, finalement, de bouche à oreille, maintenant que les femmes pouvaient se rencontrer et causer, ben, elles se parlaient des tas de choses. Et elles développaient aussi une conscience. On verra comment ça va déboucher sur un autre mouvement ensuite. Mais là, c'est les années 90, n'anticipons pas. Tout au long des années 80, le vent est à l'optimisme. Moi, personnellement, je réussis à apprendre le nahua. Heureusement que ce n'était pas une langue à tonalité ou une langue à clic, parce que j'aurais dû abandonner. Mais le nahua est une langue qui a un nombre de phonèmes plus limité encore que l'espagnol ou le français. Donc, ça va bien. Je réussis à apprendre le nahua assez pour qu'on comprenne et pour comprendre les gens quand ils ne parlent pas trop rapidement. Je me mets à... Alors, je rencontre sur place, j'aurais dû dire ça au début, sur place, une anthropologue qui est membre de ce groupe de chrétiens engagés me fait rencontrer un groupe de jeunes autochtones et métis, 3 métis, les 3 métis sont membres du même groupe de chrétiens engagés, qui ont formé à San Miguel Tzinacapan l'atelier de tradition orale pour ramasser des contes. Le professeur avait commencé à faire ça. Ah oui, un professeur d'école rurale, donc qui était dans le milieu, Alfonso Reynoso, qui est mon collaborateur depuis sur beaucoup de choses, avait commencé à recueillir des contes pour sa thèse en pédagogie. Et il se rend compte tout à coup que c'est un monde de contes. Il fonde le groupe. Et ils se mettent à ramasser des contes, à les traduire, à les transcrire. Et les jeunes autochtones, ils prennent goût. Et ils leur disent, mais c'est fantastique. Mais c'est pas juste des petites histoires comme ça. C'est des choses sérieuses, ça. Donc, c'est l'histoire du monde que vous avez là. Ah oui? Oui, cette histoire sur le colibri, ben oui, c'est l'histoire du monde pour les Nahuas. C'est comme le mythe des Mayas. Et vous avez ça, mais c'est le Popol Vuh, vous avez votre version ici. Les autochtones, encore une fois, voient leur culture revalorisée par des étrangers qui, par une ruse de l'histoire, venait ramasser tout à coup des contes. Un jeune prof qui vient ramasser ça pour faire sa thèse. Fonde l'atelier de tradition orale, demande des subventions, obtient des subventions pendant un certain temps au Mexique, pendant les années glorieuses, là où le pétrole se vend bien et tout. Et puis, avec la crise de 82, progressivement, on réduit les budgets, c'est le retrait de l'État. Et moi, j'arrive en 84. En 84, ils n'ont plus de subventions.
je rencontre le tailleur de tradition orale, comme j'avais rencontré la côte tosséventaine à Taniske. Je dis, moi, je m'intéresse à ce village ici. Parce qu'à l'entour de la région, on dit, les gens qui se battent, c'est les gens de Saint-Miguel. Les gens qui ont fondé la coopérative, c'est les gens de Saint-Miguel. Les gens qui refusent de faire la corvée pour le chef-lieu, c'est les gens de Saint-Miguel. Moi, je voudrais connaître mieux les Saint-Miguelignons. Je leur dis pas, on m'a dit, vas-y pas, c'est une bande de voleurs et d'assassins. Je veux connaître les gens de Saint-Miguel. Ah si, le Saint-Miguel, je leur ai dit des années plus tard, des années plus tard. Savez-vous ce qu'on m'avait dit? Eh bien, alors donc, je trouve un loger, c'est assez difficile, je trouve la maison où je peux manger. Et là, je me mets à prendre le nawat avec eux, et je leur dis, avec le taille, moi, je suis intéressé à travailler avec vous. Je sais que vous êtes un groupe de recherche, présentement, vous n'avez pas de fonds. Moi, je peux peut-être obtenir des fonds à condition qu'on aménage un peu les demandes de subventions, parce que l'anthropologie participative, il n'y avait pas de rubrique pour ça, puis il y en a encore moins que jamais au Conseil des recherches en sciences humaines du Canada. Moi, je ne demande pas de grosses subventions, mais je peux avoir des fonds permettant d'avoir quelques sous, pour, comme vous aviez maintenant du ministère de l'Éducation, pour recueillir des choses, des données. Vous avez recueilli sur des comptes, vous avez publié, je vais vous montrer leur livre de comptes, vous avez publié des... ça, j'avais donné un coup de main dès la première année. Vous avez recueilli des récits que moi, j'appelle de l'ethno-histoire. Si vous voulez, on peut faire un livre avec ça. Je pourrais travailler avec vous. Et vous allez dire, les vieux se contredisent quand ils racontent des choses. Qu'est-ce qu'on jette? On jette rien du tout. Tout ça, c'est l'ethno-histoire. Ethno-historia, si, si. Alors donc, je vais travailler avec vous. Et d'autre part, je suis prêt à demander des fonds. Qu'est-ce qui vous intéresserait de travailler? Et un des jeunes dit, pourquoi pas les plantes médicinales? Pourquoi? Parce que présentement, les gens achètent de plus en plus de trucs dans les pharmacies, enfin pharmacies entre guillemets, dans les boutiques. Et parfois c'est bon, parfois ça vous fait, il y a des tas d'effets secondaires, on est plus malade que quand on arrive, et on a des tas de plantes que les gens dédaignent de plus en plus. Alors, donc, il y a un livre là-dessus, c'est le premier livre qu'on a sorti, Masewajio Parme, les plantes médicinales autochtones. Donc, alors, mais il faudrait qu'on sorte, on va sortir des choses dans notre langue, bien sûr. Oui, on va sortir des trucs bilingues. Parce que pour que les autres puissent le lire aussi, pour qu'ils voient vraiment ce qu'il y a là-dedans, on va le sortir en espagnol. Pour nous, on va le sortir en nahuatl. Parfait. Alors, on se met à travailler avec eux. Mais je les ai dit, écoutez, pourquoi juste les plantes médicinales, pourquoi pas toutes les plantes? Parce que j'ai l'impression que les gens peuvent se contredire. Pour certains, une plante va être une plante ordinaire, pour l'autre, elle va être médicinale. Alors, c'est comme ça qu'on a ramassé, en deux campagnes, de trois mois chacune, 936 taxa terminaux de plantes nahuatl. Parmi elles, un paquet de plantes médicinales. Mais, alors, on sort tout fier, on a fini notre première enquête, on sort notre petit livre de plantes médicinales, grâce à des fonds d'un ministère à Puebla qui avait des sous à donner. Et ma comadre, Honoria, regarde ça, elle dit, « Oui, c'est intéressant, votre petit livre, mais il vous manque un paquet de choses. » Je dis, « Ah oui, quoi ?» Écoute, tout ce qui a trait aux femmes, à l'accouchement, aux jeunes bébés, vous n'avez presque rien là-dessus. Je dis, « Ah oui, pourquoi ? C'est bizarre. » Elle dit, « Comment voulez-tu que des femmes ?» Des guérisseurs et tout, raconte à la bande d'hommes que vous êtes, puisqu'il y a seulement des femmes au groupe, ce qui touche nos choses intimes, nous parle de nos règles et nos accouchements. J'ai dit, il faudrait donc des femmes pour ça. Elle dit, si, compadre. J'ai dit, veux-tu t'organiser avec d'autres personnes pour faire ce travail et donc avec d'autres? J'ai réussi à devenir d'autres fonds pour faire une campagne de collecte, mais également de retour à la communauté, de organiser des ateliers pour les jeunes mères qui étaient de plus en plus séparées. En mettant les jeunes couples, depuis qu'il y a du boulot, ils vont rester moins longtemps chez les beaux-parents. Donc, les jeunes couples sont établis à part. Les jeunes mères, souvent, n'ont pas tellement de connaissances directes de l'ethnobotanique, de la pharmacopée. Alors, vous pouvez leur donner des ateliers. Les plus âgés venaient pour s'assurer qu'on enseignait à leurs filles, à leurs brus, des choses correctes. Et elles apprenaient des choses, même les plus âgées. Ah, ça, je sais, oui, on a cette plante-là qui est très bonne pour la toux des enfants. Donc, elles ont tiré de leur enquête qu'on n'a pas encore finie. Ça, c'est une des étapes, là, des choses en cours. Elles ont tiré de leur propre enquête d'ethnopharmacologie. Elles ont une richesse extraordinaire de matériaux. Donc, moi, ça a été, pour moi, les années de la révélation. Les années 80, pour moi, c'était l'ethnographie. J'ai découvert que, comme disait Gramsci, au-delà de l'idéologie, il y a le sens commun, il y a la culture. Et le sens commun et la culture nahuatl sont d'une richesse qui est irréductible à ce qu'on appelait à l'époque ideologia campesina, l'idéologie des paysans. C'est un truc, richesse, encore une fois, on en apprend, j'en apprends encore tous les ans. Donc, les années 80, après l'étude des plantes, on fait l'étude des animaux. Et là, avec l'étude des animaux, autant l'étude des plantes doit orienter vers la médecine, vers l'alimentation, et vers l'équilibre extraordinaire du chaud et du froid, les deux grands facteurs qui, comme le yin et le yang chez les Chinois, les deux grands facteurs qui assurent l'équilibre du corps humain et l'univers,
Et tout ça, c'est sorti de nos petites entrevues. C'est tout ça qu'on découvre au cours des années 90. Confusément d'abord, de façon de plus en plus claire, et beaucoup de débats ensuite. Mais alors, ça a été pour moi des années de l'ethnographie. Maintenant, la masse des matériaux est telle que je suis incapable de le traiter au fur et à mesure. J'en ramasse encore plus en 91, et donc, il y a une sorte de problème. Je ne peux pas continuer de venir ici sur le terrain. D'ailleurs, mes bailleurs de fonds me laissent entendre que moi, ils m'ont déjà, le Conseil de recherche en sciences humaines, que j'ai déjà eu beaucoup de fonds, il faut voir davantage de publications. Alors, j'en ai fait quelques-unes, mais là, je me mets à travailler davantage. Sur place, par ailleurs, au Mexique, il y a, les cycles personnels de décennies, pour moi, coïncident, par pur hasard, avec d'autres cycles. La région du café avait été, pour un bout de temps, temporairement, épargnée par les grandes coupes sombres que le gouvernement mexicain avait fait dans ses budgets. Pourquoi? Parce que le café donnait des devises. Le café était très bien payé sur le plan international, ça faisait de l'argent pour le gouvernement. Et qui prélevait, bien sûr, une large part de tous ces échanges. Et, mais cependant, en 89, le nouveau gouvernement, en 88, le nouveau gouvernement de Salinas décide, lui, que l'avenir, c'est plus dans le café. L'avenir, c'est le libre-échange avec l'Amérique du Nord. Il y a déjà l'ALENA, dont le libre-échange Canada-États-Unis. Donc, désormais, il veut élargir ça. Pour élargir ça, il doit montrer patte blanche. Reagan avait déjà dit au début des années 80, dans une petite phrase, il avait déjà lu un texte qu'on lui avait écrit, président Reagan, j'ai un rêve, enfin je traduis dans mes mots, l'Amérique du Nord, avec la technologie américaine, lisez le capital, avec les ressources canadiennes, lisez les ressources, et avec la main-d'œuvre mexicaine, pourrait faire de grandes choses. Et ensuite, les Américains ont attendu qu'on vienne leur demander, qu'on vienne les supplier d'entrer avec eux dans le marché commun. Les Canadiens d'abord, les Mexicains ensuite. Mais chaque fois, il fallait faire table rase de ce qu'on avait. Le Canada a dû limiter son aide à l'agriculture, supprimer des programmes, etc. Le Mexique, lui, a dû carrément démanteler son soutien à l'agriculture, supprimer ses subventions à consommation et liquider toute l'industrie du centre du pays au profit des maquiladoras qui s'installaient dans la frange nord, en intégration avec l'usine américaine, Et là-dessus, le café, eh bien, le gouvernement mexicain a supprimé son bureau d'aide au café, a supprimé ses subventions au café comme au maïs, et donc ça a été le libre-échange. Donc les transnationales de café soluble mexicains se sont mis à importer du café africain pour faire leur café, en laissant pourrir le café arabica sur place. Le bon café arabica, il pourrissait sur place, tandis que le café un peu rude qu'on nous sert à Paris, le café robusta d'Afrique, lui, c'est avec lui qu'on faisait le café instantané, tu sais, bon, au Mexique, pour les Mexicains, avec une belle blonde sur l'étiquette. Bien sûr, c'est comme ça qu'on voit le café instantané africain au Mexicain. Donc, alors là, il n'y a plus d'argent qui arrive dans Sierra. Et là, il n'y a plus... Et moi je n'arrive plus à avoir de fonds. Et là, tranquillement, c'est la crise, à la fin des années 80, c'est la crise du modèle, on pourrait dire, du modèle... Du modèle Tosepante et Tatanisque, la coopérative donne de quoi vivre. Vous vendez le café, on le prend à bon compte. Vous achetez du maïs à très bon compte, grâce au maïs subventionné. Les jeunes peuvent s'établir ici dans la région, ils n'ont pas émigré. Les femmes commencent à avoir des emplois pour la coopérative, etc. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment un modèle équilibré. Mais tout ça dépendait sur la vente du café. Quand le gouvernement cesse d'acheter, le prix du café, d'une année à l'autre, perd 50% de sa valeur. La Tosepante et Tatanisque, ils avaient emprunté de l'argent pour payer les avances aux coopérateurs. C'est comme ça qu'on leur faisait échapper aux griffes des commerçants du chef-lieu. Eh bien, la coopérative locale, elle est pratiquement en banqueroute technique en 1990. Et mes amis, la Tosepante, avec l'humour habituel, j'en rencontre un. Mes amis, pardon, du tailleur, mes amis qui travaillaient nos enquêtes là-bas, j'en rencontre un, baluchon sur l'épaule. Il avait fait couper ses cheveux. Il portait une casquette plutôt qu'un chapeau de paille. Je le rencontre en prenant l'autobus pour Mexico. Tu vas à Mexico? Oui, moi aussi. Il dit, hey Pierre, c'était vraiment charmant. Tu te souviens, il y a quelques années, quand on apprenait ensemble les uns les autres comment écrire en nahuatl. J'ai dit, oh oui. Il dit, t'aurais mieux fait de nous apprendre l'anglais, comme ça on pourrait migrer aux États-Unis. Lui a travaillé comme aide-maçon au Mexico et il savait que ce ne serait pas le paradis. Donc voilà, il éclate de rire. Donc, notre beau projet de revitalisation de l'autochtonéité aussi, qui s'appuyait sur ce projet économique, semble également arriver à son terme. Les chrétiens engagés découvrent que pour élever les enfants, la Sierra, ce n'est pas le pays idéal non plus. L'école est d'une qualité très moyenne. Et puis, quand Mario Renia, ma copine anthropologue, voit que son petit garçon tousse, on l'amène, on dit, c'est sans doute la tuberculose.
Elle dit, je rentre à Mexico, je rentre à Puebla maintenant. Elle fait sa valise, elle part pour Puebla. Donc, il reste dans la Sierra 2 ou 3 chrétiens engagés. Il reste quelques agronomes progressistes qui, eux autres, ont jeté leurs racines sur place et qui ont dit non, il faut que ça marche ou que ça casse. Et qui décident de trouver de nouvelles manières de relancer la coopérative sur une nouvelle base. J'avoue que dans mon carnet de notes, en 91, en revenant de la Sierra, j'ai écrit « Qui sait ce que je vais trouver ici l'an prochain quand je reviendrai ?» Pour moi, c'était vraiment la fin d'un cycle. C'était là, donc, la crise financière de 82 avait vraiment donné ses résultats dans la région en 80, fin des années 80. Et on trouvait là la même crise qu'on trouvait dans toutes les régions du Mexique. Et ça a été des années difficiles. Des années difficiles pour la Sierra, les années qui viennent. La TOSEPAN a réussi à rééchelonner la dette. Comment ont-ils réussi à convaincre les politiciens? Je n'assistais pas aux négociations. Ils ont réussi à convaincre les politiciens que c'était leur intérêt aussi de rééchelonner la dette. Et tout à coup, se sépare de la TOSEPAN Titatanisque, la coopérative des femmes, qui dit « Nos intérêts sont mal représentés ici ». Alors ça, les hommes l'ont très mal pris. Ça leur a pris 15 ans à se réconcilier. Pas toutes les femmes sont parties, mais un bon nombre de femmes sont parties. « C'est à cause de vos conseillères féministes », disaient les gens de la TOSEPAN. « Nos conseillères, ils sont pour rien », disaient les femmes. « On ne veut pas être entraînées dans votre banqueroute ». Et les femmes pour faire leur coopérative à part. Alors moi, je vois les femmes qui s'en vont de leur côté, les produits, la production qui ne se vend plus, et qu'est-ce qui arrive avec la TOSEPAN? Et je continue d'aller, dans les années 90, compléter la recherche ethnographique, mais surtout, maintenir le contact avec, faire des publications. Chaque fois que j'ai un congrès au Mexique, j'en profite pour aller dans Sierra, visiter mes compadres, mes amis là-bas, toujours maintenir les liens, et leur montrer les textes qu'on sort tranquillement avec leurs publications. Textes, d'ailleurs, qui sont de plus en plus en espagnol. Pour moi, ça fait partie de l'implication dont je parlais au début. Là. Je me suis impliqué avec le tailleur, je me suis impliqué avec la TOSEPAN, j'ai travaillé avec eux. Mais également, même quand c'est plus dans le cadre d'une subvention ou d'un travail concret sur place, pour moi, les implications, elles demeurent après. Je veux que les gens puissent voir et discuter de ce qu'on produit. Parfois, les gens du tailleur me disent « Cette chose-là, il vaut mieux pas la mettre dans notre livre, dans le livre en question ». Parfois, les Californiens m'avaient dit ça aussi. Enlève ça plutôt, on aime mieux pas voir ça. Ça renforcerait nos ennemis plutôt que nous-mêmes. Et il m'est arrivé de pratiquer ce qu'on certains pourraient appeler l'autocensure dans ce cas-là, en me disant que oui, vous avez peut-être raison, ça renforcerait vos ennemis. Comme me disait un collègue anthropologue quand je parlais de ça une fois au département, tu as trahi l'anthropologie, Bocage. Il le disait à moitié en blague. Et moi, je lui réponds peut-être, Balixi. Mais j'ai jamais trahi les Nahuatl ni les Garifuna.